Depuis le 28 janvier dernier, le spectacle musical Al Capone, retraçant le parcours du célèbre gangster américain à l'époque de la Prohibition dans les années 1920, est à retrouver aux Folies Bergère à Paris. Un projet porté par le guitariste Jean-Félix Lalanne, qui s'est notamment dit fasciné par ce sulfureux personnage depuis son enfance. Il était donc tout naturel pour lui que de lui rendre hommage en utilisant ses talents d'auteur-compositeur à travers un show. Il remercie notamment Roberto Alagna, l'époux d'Alexandra Kurzak, qui a été le premier à s'impliquer dans ce projet. En effet, le célèbre ténor franco-italien, qui a notamment en 40 ans de carrière inscrit à son répertoire plus d'une soixantaine de rôles dans Don José, Lohengrin et Cagnon, a été ravi d'être appelé pour ce spectacle. Celui qui était monté pour la 100e fois sur la scène du Metropolitan Opera de New York en 2015, avant de célébrer en 2019 sa 100e performance à l'Opéra de Paris dans Othello puis au Royal Opera House d'Andrea Chenier, partage notamment un formidable duo avec la chanteuse Angoune pour ce show. Spectacle musical mais aussi visuel, la maman de Tirana, qui avait notamment atteint le top 20 des prestigieux Billboard Charts aux États-Unis pour la version anglaise de son célèbre titre La Neige au Sahara, fruit de sa collaboration avec le producteur de Céline Dion, vient d'accepter de jouer pour la première fois dans une comédie musicale. Et pas des moindres. Pas n'importe quel rôle non plus, puisqu'elle incarne Lily, la compagne d'Al Capone. Mais elle s'en est merveilleusement bien sortie aux côtés du ténor, mais aussi du chanteur québécois Bruno Pelletier, qui tient le rôle de Elliot Ness. A noter que ce spectacle est également une incroyable claque visuelle. En effet, les costumes sortent tout droit de l'atelier de couture du studio FBG dont le savoir-faire est reconnu des grandes maisons de couture, Céline, Balmain, comme des scènes théâtrales Mugler Follies, The Hive Berlin. La conception des décors est quant à elle confiée à Éric Chevalier, scénographe émérite de l'opéra, La Veuve Joyeuse, Guillaume Tell, tandis que la construction revient aux ateliers du Théâtre des Galeries à Bruxelles.